Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Nishmat, Myriam bat Frecha, Vegam Machlouf Eliaou ben Frecha, Vegam Odecha Shamir ben Yehudit. Il dit ici, le Amar, Rabbi Lazar Patar Vamar, Ashre Adam Ozlobach, heureux l'homme qui met sa confiance totale et absolue en Bach, en Hashem. Okay? Il dit, Zaka Barnash dit Kafbe Bekucha Brechou, Vishvetokvebe. Yachol Kachanania Michel Vazaria, est-ce que on peut prendre l'exemple d'Irabi Houda, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce qu'on peut prendre l'exemple des trois prophètes Hanania, Michel Vazaria? Qu'est-ce qui est arrivé? Am Israël, Nebuchadnezzar, il vient, il détruit le Beth Amikdash, okay? Il exile les Juifs de Eretz Israël, et qu'est-ce qui arrive? Il va et il maltraite les Juifs en Babylone. Et après, il se construit une statue. Une grande, grande statue. Il construit une grande, grande statue. Ce qui arrive, comme il avait pris beaucoup des ustensiles Beth Amikdash, il a pris avec ça le tzitz du Kohen Gadol. Le tzitz, c'est la plaque en or qui dit Kodesh Lashem. Cette plaque, il a posé dans la bouche de l'idole, de la grande, grande statue, il a mis dans la bouche. Elle était très, très haute. La statue commençait à parler. Qu'est-ce qu'elle disait? Anochi Adonai Elohecha Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. Quand le jour passait, la statue parlait, les gens disaient, oh, ils commençaient à croire dans la statue. Alors les goyim à Babylone commençaient à se prosterner devant la statue. Il y a des juifs qui commençaient aussi à croire, mais il y a beaucoup de juifs qui n'avaient pas le choix parce que Nebuchadnezzar les a forcés de se prosterner devant la statue. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde se prosterne devant la statue. Et il dit aux trois prophètes, Hanania, Michel, Vazaria, vous devrez vous prosterner devant la statue. Il dit, jamais de la vie. Tu sais que Dieu va nous sauver? Il dit, non, il ne va pas vous sauver. Moi, je vais vous prendre et je vous mettre dans le feu. Alors, eux, ils disent, on est sûr que Dieu va nous sauver. Comme ça, ils ont répondu. Ils sont venus voir un grand prophète à l'époque aussi. Il s'était Yehezkel Anavi. Ils sont venus le voir. Il leur a dit, vous avez mal formulé la manière que vous avez dit, c'est mal formulé. Il dit, pourquoi? Il dit, si vous, le Dieu ne vous sauve pas, si Hachem vous décide, vous n'avez pas assez de mérite d'être sauvé du feu. Alors ça va être Hiloul Hachem? Ça va être Hiloul Hachem? Vous avez dit, on est sûr d'être sauvé. Et vous n'allez pas être sauvé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise? Il fallait dire que si Dieu nous sauve ou ne nous sauve pas, on croit toujours en Hachem, on ne se prosterne pas. C'est ça qu'il faut dire. Qu'Hachem sauve ou ne sauve pas. Yeah. La Gemara dit, ils ont réfléchi et ils ont, oui, on apprend tout de la Torah. Toujours quand on est dans une situation difficile, il faut penser, est-ce qu'il y avait déjà un cas comme ça dans la Torah? Et ils ont pensé, il y avait un cas comme ça dans la Torah. Où la deuxième plaie, la grenouille. Les grenouilles. Qu'est-ce qui est arrivé? Hachem donne ordre au Nil de sortir les grenouilles et infester toute l'Égypte. Les grenouilles devraient sortir, rentrer dans tout le palais royal, les maisons des Égyptiens, tout, inclusivement dans le four, le fourneau, qui sont avec du feu, il fallait rentrer. La Gemara nous dit, quand les grenouilles commençaient à sortir, où ils sont dirigés en premier? Dans le four. Pourquoi dans le four? Tu as le choix d'aller dans le palais royal, quand ça va être plein. Quand les maisons des ministres vont être pleines, quand les maisons des Égyptiens vont être pleines, là tu peux aller en four. Non, le grenouille, quand on s'est sorti des Nils, ils ont dit, si Hachem a donné l'ordre de rentrer même dans le four, nous voulons être les premiers à rentrer là-bas pour sanctifier le nom d'Hachem. Hanania, Michel, Vazari, dit quoi? Alors le grenouille était prêt à rentrer en feu pour le nom d'Hachem, pour sanctifier le nom d'Hachem. Alors comment ça se fait que nous on a dit que non? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar? Ils sont retournés à ça. Quoi qu'il arrive, qu'on se fasse brûler là-bas, quoi qu'il arrive, on rentre dans le feu. Quand ils sont partis avec cette idée, c'est là qu'ils ont été sauvés. Donc, dit Rabbi Houda ce matin, une personne, il dit, il ne faut jamais qu'il dise, je suis sûr que Dieu va me sauver. Et s'il ne va pas te sauver, ça va être Hiloul Hachem. Ne dis pas comme ça. Tu dis, j'ai confiance en Hachem à 100%. Quoi qu'il arrive, c'est Hachem. Si quelque chose doit arriver, c'est Hachem. C'est comme ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire, c'est sûr. Comment tu es sûr? Tu es sûr? Tu n'es pas sûr. La confiance, c'est de dire qu'Hachem fera qu'il voudra. La émouna en Hachem. Et c'est ça. Alors, il dit ici, alors, Adrou
Ils sont retournés, ils ont dit à Nebuchadnezzar, « Ve'en lo yadi alavelach malka, sache sa majesté, quoi qu'il arrive, nous croyons en Hachem. » Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et bon, Hachem, ils sont sortis indemnes d'un fourneau. Imaginez-vous, il fallait un demi-kilomètre. On ne pouvait pas s'approcher de ce four un demi-kilomètre. Tellement il y avait la chaleur, la chaleur. Et ils ont été, Baruch HaShem, sauvés. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.